Tu as dit que tu n'es pas sorti cet après-midi. Bon après-midi, monsieur. Bonjour. Où allez-vous? Je vais de l'autre côté. Merci. Ok. Mais garde-moi ce que fait ça. Comment ça? Merde. Seigneur. Est-ce que tu sais que depuis tout ce temps, j'ai pas encore pu me faire une petite amie? Garde ta voiture ici, mon pote. Déjà, pas ça. Mec, je t'assure. En tout cas, allons au bureau. Tu vas me raconter ça pendant qu'on y sera. Allons-y. Bye. Oh, pardon. Ça va? Pardonnez-moi. Je suis désolé. S'il vous plaît, vous travaillez dans les environs? Je suis vraiment désolé. Ça fait un bail! Oh mec, comme étouffé la main! Oh, c'est juste que c'est pas toi qui attendais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attendais? Non, personne. Qui? Personne! Hein? Pamela? Non! Que cherches-tu, mec? Es-tu sérieux? Bien sûr! Merde! Un bon jour de congé! Ah, vraiment, j'essaie de me. Et où est Pamela? Ah, elle est là-bas, la cuisine. Tu es chanceux! Ah, gars, c'est Dieu qui fait. Elle me manquait de parler de moi, non? Bonjour maman. Bonjour mon ami, comment tu vas? Très bien maman. Ok. Obi, où est ta copine? Oh, maman, elle a peut-être fait la cuisine. Ah, peut-être que c'est elle qui arrive là. Maman, tu sors? Oui, je voudrais faire certaines courses. J'espère que tu vas attendre jusqu'à ce que je rentre. Oh, oui, j'attendrai, j'ai pas de soucis. Obi, où est mon chauffeur? Ah, je lui ai demandé d'aller laver avant ce véhicule. Ok. Bye. Passe une bonne journée. Hein? Bonsoir, monsieur. Comment vas-tu? Bien, merci. Toute jolie. Hein? Oh, désolé. Merci. Vous pouvez prendre le mien. Oh, vraiment? Merci. Ah, je t'ai dit que c'était une bonne fille. Merci, mais j'ai la dalle. Ok, je vais devoir vous laisser parce que j'ai affaire à l'intérieur. Tu as déjà fini? Oh, oui. Ok. Je t'ai dit non. Tu vois le way down. Tu vois. C'est quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis là depuis plus de 5 minutes, mon pote était toujours concentré. Dis-moi, tu as te dessiné quelle fille comme ça, non, mec? C'est la fille dont je t'ai parlé. Tu l'as vue qu'une seule fois, non? Tu sais, j'ai visité l'endroit où je l'ai vue la dernière fois. C'est comme si elle évite cet endroit. Peut-être c'est pas son lieu de service, non? Ce que je dirais, c'est qu'elle a. C'est comme s'il y a eu un problème et puis... Oublie ce que ta tête dit là, hein? Peut-être que cette fille était juste de passage. Non, je ne pense pas ça. Je ne pense pas ça. Laisse que je te dise quelque chose. Si cette fille travaille ici, je la trouverai sûrement. Tu me connais bien, non? Je fais toujours partout, dans les cafétérias, les conseils, tout ça. Ah, j'espère alors.
J'espère. Peut-être le nouvel emploi ici. Mais gars, t'es sérieux? Oui. Parce que toutes les personnes à qui j'ai demandé, elles m'ont dit qu'elles ne la connaissent pas. Ah, peut-être tu as raison. Mais tu devras peut-être recommencer ton licence parce que celui-ci. Ah, gars, toi aussi. Alors, qui t'a dit que cette fille travaille dans notre immeuble? Ce n'est pas que qui a dit. Regarde, j'ai fait beaucoup de renseignements par rapport à elle. Ok? Sa compagnie est située au premier étage de notre immeuble. Mais cette fille, t'as pas su qu'elle était de passage? Bien. Elle travaille là. La vérité, c'est que je connais plusieurs filles là-bas. C'est vrai? Ok, quel est son nom? Son nom est... Airi, oui, Airi. Airi? Oui. Attends, est-elle jolie et brune, quelque chose comme ça? Là, tu la connais vraiment. tu la connais. Bien, je la connais. Elle est juste nouvelle à l'immeuble. Okay. Et je suis désolée de le dire. Elle est frivole. Comment ça, frivole? Ce qu'elle essaie de te dire, ma mec, c'est que la fille que tu as me chercher là, elle couche avec tout le monde qu'elle va passer. Cela ne m'arrête pas. Regarde bien. Regarde bien. S'il te plaît, j'ai envie que tu aies cousu avec cette fille. S'il te plaît. Attends. Essaie-tu de me dire que tu es en train de chercher une prostituée? Regarde, toutes les femmes sont des prostituées. Petite correction, monsieur. Toutes les femmes ne sont pas prostituées. Moi, je ne suis pas prostituée. Tu ne l'es pas. Non. Tu n'importe quoi. Regarde. Le fait est que moi, je la veux comme une épouse, ok? Ok? Après tout, oser être un prophète de Dieu, mais il a épousé une prostituée. Tu écoutes même ce que le gars se dit. Léger, papa, non, léger parce que les gens disent. Ne dis pas qu'il est désespéré. Je ne comprends pas. Est-ce la copine de ton ami là-bas? Oh, vraiment? Oui, bien sûr, c'est elle. Ah, j'ai jamais su qu'elle en était une. C'est elle, et j'imagine que c'est l'un de ces gars. C'est une grande fille. En tout cas. Tu sais quoi? Permets-moi juste de savoir. Parler avec elle. Hein, j'arrive, hein? Attends-moi, hein? Attends. Ne mets pas long parce que bientôt il y aura trop de monde. D'accord. D'où viens-tu? Je t'ai dit que je partais parler à cette fille, non, ma chérie? Et ça t'a pris plus de 15 minutes juste pour parler avec elle? S'il te plaît, Buffon, ok? Buffon, hein? Arrête de me jacasser, hein? Jacasser? Oh, mais tu dis que je jacasse! Merci beaucoup. Bonne chance. Bam! Pamela! 15 minutes, Obi! Pamela! Pamela, s'il te plaît, attends. Salut. Avant, s'il te plaît. Obi, où étais-tu? Je t'ai cherché pendant tout ce temps. Je faisais juste quelques... Ça me parle là et je suis en fait ma tête. Obi, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu me vis depuis un certain temps maintenant. Asamo m'a dit que tu tournes autour de cette fille depuis un certain temps maintenant. Mais gars, juste parce que tu viens de me voir avec elle. C'est quelle manière de parler là?
Tu essayes de détourner l'attention ou quoi? Je te demande pardon? Oui, c'est vrai. Hobby, tu sais combien j'aime cette fille et j'attends que toi tu fasses quelque chose en tant que mon ami. Tu vas t'essayer. Tu ne vas pas quand même me demander d'aller faire des avances pour toi, non? Bien, qu'est-ce qui est mal si tu fais quelque chose pour moi en tant que bon ami? Oublie ça, gars. Nous n'allons pas nous disputer pour une fille, non? Il y a tellement de milliers de filles. C'est vrai, il y a un millier de filles. Mais pourquoi ne vas-tu pas vers ces milliers de filles? Écoute, j'ai ma petite amie. Tu le sais, non? Elle me suffit déjà. Bien sûr que je sais. Et là, tu as raison. Mais cela ne te donne pas le droit de tourner autour de ma petite amie. Écoute, ne te comporte pas comme un enfant. Regarde, Obi. Je vais encore te le dire. Éloigne-toi et coupe toute relation d'amitié avec Harry. Tu étais avec qui? Avec personne. Obi, pourquoi aimes-tu le mensonge? Je t'ai vu avec cette fille. Si tu m'as vu, pourquoi tu demandes encore? Obi, tu devrais avoir honte de toi-même de sortir avec la petite amie de ton ami. Tu as dit quoi? Mon ami, tu sais, tu es très stupide. Ça, il faut que je te le dise. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu sais que je peux mettre fin à cette relation, hein? Écoute, qu'attends-tu encore? Si tu veux le faire, fais-le. Gabriel 49. C'est monsieur Gabriel Dakoko. Désolé monsieur, mais ça m'en aura plus. J'espère que tu n'as pas oublié que nous avons des visiteurs qu'il faut conduire à l'aéroport aujourd'hui. Mais personne ne m'a rien dit à ce sujet. Maintenant tu le sais. Les choses peuvent changer à n'importe quel moment. Soyez prêts et attendez. Mais c'est pas le protocole de la compagnie. Monsieur Ben, j'ai donné des instructions, il faut les suivre. Alors taisez-vous et faites ce que je dis. Ok, monsieur. Allô? Oui, mon amour, c'est pas de ma faute. S'il te plaît, essaie de te calmer, hein? Qui mon boss? Oui, je viens comme ça de le laisser au bureau. Oui, oh, désolé, mon amour, il faut que je te parle, hein? D'accord? Oui, bien sûr. Oh, voilà pourquoi je t'aime beaucoup, mon amour. Bye! Entrez. Bonsoir, monsieur.
Oui. S'il te plaît, assieds-toi. Alors, comment puis-je t'aider? Monsieur, je suis venu vous présenter mes excuses pour ce qui s'est passé là-bas. Tu ne peux m'énerver. Pourquoi être désolé? C'est impossible de m'énerver. Monsieur, je suis venu vous demander pardon. Parce que je me suis dit que vous demander pardon était une bonne chose. Es-tu prêt? Arrêter cette relation avec Harry? Monsieur, vous voyez, on ne mélange pas le boulot avec les femmes, ça crée des problèmes. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Écoutez, si vous cherchez une fille, je peux vous en trouver une. Je préfère encore que tu prennes cette fille pour toi. S'il vous plaît, arrêtons un peu ce sujet. Il risque d'énerver quelqu'un quand ça ne devrait pas être le cas. Tu peux t'en aller maintenant. S'il te plaît. M'en aller? S'il te plaît. Sors d'ici. Ok. Mais suivez vos amis. Obina, tu ne vas pas lui faire ça. Qu'a-t-elle fait pour mériter cette maltraitance? Maman, maman. Pamela ne peut pas être ma femme. Ça, je te l'avoue sur mon cadavre. Tu ne veux pas épouser Pamela. Ça, je te le jure sur mon cadavre. Tu cherches juste un alibi sur lequel tu vas t'accrocher. Maman, est-ce que tu vois? Veux-tu que ton fils, ton unique fils, épouse une morte? Oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Va de l'avant. Va de l'avant, épouse-la. Jusqu'à ce que je la voie voler. Sinon, Pamela reste ta fille. Et je ne permettrai qu'aucune autre fille prenne sa place dans cette maison. Ok? Tu feras mieux de l'épouser. Écoute. Écoute bien, je ne l'épouserai jamais. Hein? Je t'assure, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, hein? Allô, Pamela? Où es-tu? Je voudrais juste te voir ici à la maison maintenant. Oui. Tout de suite maintenant, oui. Viens. Viens maintenant. Tu es obligée de venir me distraire. Je dis que je suis désolée. Je voudrais m'excuser pour la manière que je t'ai parlé très tôt ce matin. Je suis désolée. Je pensais que tu disais que tu m'aidais face à cette relation. Obina, je dis que je suis désolée et je ne sais plus ce que j'ai dit. Je l'ai dit dans la colère et je ne peux pas. Je ne peux pas arrêter la relation. Écoute, moi, Obi, je ne suis plus intéressée par cette relation. Pas la fille que je vais épouser. Et écoute-moi, tu feras mieux de faire la même chose. Je ne veux pas que tu dises que quelqu'un t'a perdu le temps. Hein? Voilà tout ton temps qui est devant toi. Hein? D'accord? Ok? Voilà. Est-ce que tu vas arrêter ça et laisser que nous en discutions? Tu sais quoi? Je suis fatigué. Hein? Tu m'étouffes. Tu m'étouffes, hein? Tu m'as dit après, c'est que prends tout, prends le vélo, le lit, fais-toi, fais l'amour avec le lit, c'est bon, je m'en vais, tu prends tout. Obina, comment tu t'en fous de moi? Reviens et parlons-en. Ça
Salut. Oh, salut. J'imagine que tu ne me connais pas. Je crois vous avoir aperçu dans un restaurant. Oui, dans un restaurant du coin. J'y étais avec mon ami Obina. Obina Oben. Oui. C'est ton petit ami? Oui. D'accord, j'ai compris. Je voudrais juste te demander d'arrêter la relation que tu entretiens avec mon gars. Ceci est vraiment embarrassant. Vraiment. Une femme comme toi, pas avoir une autre femme lui dire de laisser son mec. Tu dois plutôt aller voir ton mec et lui dire de laisser la fille tranquille. Pamela! Pamela! Tu peux me tuer après? Hein? Obina, qu'y a-t-il, hein? Je crois que tu as perdu la raison. Calme-toi. Tout ce que tu peux faire, c'est embarrasser cette fille. Obina! Pamela! Quelle est cette fille? Dis-moi, de quelle fille s'agit-il? C'est la même fille dont je t'ai parlé. Obina! Maman, je veux que tu le dises. Je ne suis plus intéressé par cette relation. Obina, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Mon fils, qu'est-ce qu'elle t'a donné? A-t-elle utilisé les écorces pour toi? Obina, ça va aller ma fille. Ça va, lève-toi. Maman. Maman. Obina, ça va. Donc, c'est ce que ça tu va. Fais. Hein? Maman, c'est tout ce que tu vas Obina, dire. Obina, assez, s'il te plaît. Okay. Si quelque chose arrive, hein? Lorsque je prends ma décision, en tout cas, tu verras. Tu verras. Ton visage m'est familier. Vraiment? Tu disais que tu venais encore d'où? Je suis de l'état d'Anambra. Il y a une chose à ton sujet que je ne comprends vraiment pas. Mais je suis sûre de t'avoir déjà vu quelque part. Maman, les gens me disent qu'il ne peut pas être mon petit ami, mais plutôt mon frère. Non, ça ne peut pas l'être. Je suis ton petit ami, ton futur mari, et je suis comme ton père. Es-tu sérieux? Mon père? Maman, il est tout simplement fou. Je t'ai dit, il est fou. Oh. Regarde bien avant de tourner. Bien sûr. Ducré, tu as tendu la main à ton prochain. Reste toujours comme ça, ne change pas. Parce que tu es vraiment impressionnant, excuse-moi. Vraiment? Ok. Merci. Je prends ça comme un compliment. De rien. Dupré, je te dis vraiment merci pour avoir payé mes factures à la boutique. D'accord, d'accord. D'accord. Maintenant, tu as mon contact. Appelle-moi. Appelle-moi tout le temps. D'accord.
Viens. Oui, maman, je suis là. As-tu vu mes bijoux que j'ai posés ici? Tu dis que c'est ici que tu les as posés? C'est ce que je suis en train de dire. C'est ici que je les ai posés. Oh, maman, c'est quand même bizarre. Parce que nous sommes que deux à la maison. Ou quelqu'un d'autre est venu? Tu ferais mieux de répondre toi-même à cette question. Je cherche mes bijoux en or que j'ai posé sur cette table. Tes bijoux? Oui. Il y avait quelqu'un d'autre à la maison? Quelqu'un est venu aussi à mon absence? Non. C'est ce qui m'étonne. Je ne sais pas si les bijoux ont les pieds pour marcher. Je te l'ai dit. Je t'ai dit que c'était une pièce. T'as dit. Pamela! Pamela! Oui? Oui, qu'y a-t-il? Pamela, où sont les bijoux de la maman qui étaient sur la table? Je ne sais pas. Elle dit qu'elle les a posés là sur la table. Mensonge. Pamela, je te connais. Tu sais que je te connais mieux que tout le monde ici. Ok, laisse que je cherche maman. À qui appartient ce sac? Celui-ci, hein? C'est le mien. Jésus! Pamela! Tu vois, pourquoi? Je t'ai dit que pourquoi Pamela? Alors tu vois? Tu n'as pas voulu me croire. Tu vois? Maintenant tu vois de quoi est-ce que je parlais, non maman? Je ne sais pas. Alors, tu es une voleuse. Abina, je n'ai rien pris. Et comment ça s'est retrouvé dans ton sac? Hein? Je jure. Ça s'est envolé jusqu'ici? Je n'ai pas pris ces bijoux. Mon sac était posé là-bas. Abina, tu sais que je ne peux pas voler, non? Je ne peux pas. Je ne peux pas voler. Je pensais t'avoir dit que je voulais plus te voir ici. Ça se déplace seul. Je ne mens pas. Cela ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais volé. Écoute. Dans le futur, tu feras mieux de réfléchir parce que je ne vois aucun homme qui accepte d'épouser une voleuse, tu sais. Je ne pense pas que cette relation puisse encore fonctionner, d'accord? Abina, s'il te plaît, est-ce que c'est aujourd'hui que tu me connais? Je ne peux pas te mentir. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas. Je ne mens pas. Je ne suis pas une voleuse. Abina, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne connais pas. Je n'ai pas volé. Désolé. Bref, tu m'arrêtes cela de crocodile, d'accord? Et tu cherches à sortir d'ici parce que c'est déjà du tout. Bon, je t'appellerai demain. Pour l'instant, je veux d'abord rester seul. Ok. Bon, Théor, sors d'ici. Sors d'ici! Tu veux te mettre Théor? C'est quoi ça? Tu avais pensé à moi avant de te battre avec elle? Elle m'a d'abord insultée. Et puis quoi encore? Ok, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hélène, tu es une femme comme moi. Que peux-tu ressentir si une autre femme te prend ton homme et détruit la relation que tu as bâtie pendant plusieurs années?
S'il te plaît, tout ce que j'attends de toi, c'est de dire à ton ami de laisser Obina tranquille. Si j'étais toi, j'irais me taper un autre homme. C'est tout ce que tu trouves à dire? Écoute, ma chère, si ça ne te dérange pas, je dois aller quelque part. Mais trouve-toi un autre homme et cesse de... Tu fais qu'une autre ait pris ton petit ami. Cherche-toi ailleurs, ma copine. Au fait, trouve-toi un autre homme. Mais c'est quoi? Oh, je dois partir. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Oh. Elle te demande de me donner les conseils. Fais-moi confiance. Je lui ai donné la leçon de sa vie. Qui est-ce? Hein? Pourquoi tu ne décroches pas ton appel? Oh, laisse ça sonner. Parle-moi de cette fille, je suis vraiment impatiente. Écoute, je décroche cet appel. Je ne suis pas là. Alain? Je ne suis pas là. Oui, monsieur. Ah, non, sa copine. Oh, mais elle n'est pas là. D'accord, je ferai cela. Merci. Qui est ce gars? Alors tu pensais que tu n'allais plus me rencontrer. Je pensais que tu étais une grande fille. Une grande fille, mais nous revenons faire les achats dans les mêmes endroits. T'as pas honte? Écoute, je vais te dire quelque chose. Dis à ta copine que nous allons nous rencontrer un autre jour. Nous allons nous rencontrer un autre jour et je vais vous montrer. Parce que moi, on ne me gagne pas. Soit si je le ferai. Écoute, tu peux pas me tenir ici et t'écouter m'insulter. Parce que définitivement, nous n'appartenons pas à la même classe. Mais après tout, je t'ai renvoyé vers où tu appartiens vraiment. Je pars d'ici avant que je ne commette un crime. Quelle classe? Ma chérie ne parle plus jamais de classe. Tu parles de classe. Quelle classe? Grande fille ou grande pute, qu'est-ce que vous êtes vraiment? Vous n'êtes que des putes. Ta copine et toi, vous n'êtes que des traînées. Honte à vous, sale traînée. Honte à toi et ta stupide copine. Ça va, non, arrête ça. Quand tu m'as appelé, j'étais sur le point d'aller voir un petit ami. C'est Obina, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais qu'est-ce que tu avais de si important à me dire? Bien. Harry. Je ne sais pas comment toi tu le ressens. Mais moi, je t'aime vraiment. Je sais que c'est très tôt de parler de mariage maintenant. Mais... tu ne me connais pas. Je ne te connais pas. Et comment peux-tu concevoir une telle idée dans ta tête? Mais bien sûr, tu as raison. Regarde, crois-moi, depuis le premier jour que je t'ai vu, je me suis senti assuré, comme j'ai envie de t'épouser. Je suis désolée que tu sois en retard. L'amour qu'il y a entre ton ami et moi est très fort. Qui? Comment ça qui? Obina et toi, vous êtes de bons amis. Oui, nous sommes vraiment amis. Mais écoute, je ne suis pas sûr que tu vas aimer qu'il t'épouse. Je suis très sérieux vis-à-vis de toi. Alors que dis-tu de ma proposition? S'il te plaît. Tu sais quoi? Quoi? J'ai envie de t'amener quelque part. Vraiment? Ouais. J'ai une surprise pour toi. Quelle surprise?
Tu m'as fait peur, tu sais. Yeah. Vraiment. Il y a là-dedans une pièce qui nous attend. C'est vrai? Et en même temps, cette surprise t'attend. Cette surprise t'attend à l'intérieur. Ah bon? Ah, oh, ça c'est merveilleux. Tu disais encore que elle partait rendre visite à qui? Je l'ai entendu dire que elle partait visiter quelqu'un comme Deep Ray. Maman, je suis vraiment désolé. Ça va. Désolé, okay. Mais permets-moi. J'avais quelque chose. Oh, pas surprenant que ta cuillère soit tombée. S'il te plaît, laisse la porte ouverte. Hein. Je dois aller voir tout de suite. Hein. Je lui dirai que tu étais là. Ok, merci. On dégage mon chemin. Je crois que cette porte est ouverte, hein? En tout cas, moi, je vous emmerde. Si tu continues à m'énerver, je te tuerai. Je te tuerai, je te le dis. Ça, c'est quoi, ça? Hein? Tu me connais pas bien, hein? Tu me connais? Attends. Tu vas te bomber. Je te ferai ça. Laisse. Je te le ferai. Dégage. Putain. Pas de jouer à ces gens avec moi, où est-elle? Je savais que tu es malade. Ah, je suis malade, hein? Mais je ne savais pas que ton cerveau était troué. Je suis malade, hein? Tu es malade ou bien? Je te tue avec le corps. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui vous bagarrez? Arrêtez ça! Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Arrête ça! Arrêtez ça tous les deux! Ok, tu vous relaisses. Arrête! Laisse-moi tranquille. Allez. Ma chérie, t'en vas pas. Harry. Harry. Maman. Viens ici, s'il te plaît. Oui, maman. Viens ici. Je ne sais pas exactement quel est ton problème. Je ne connais pas quel est ton problème. Maman, pourquoi c'est seulement moi que tu blâmes? Je ne suis pas la seule fautive. Mais pourquoi il vient tout le temps m'accuser? Il veut m'influencer ou quoi? Harry, attends. C'est vraiment stupide de dire une telle chose. Est-ce que quelqu'un un jour t'a forcé dans cette relation-ci? Tu penses que j'ai un jour trompé ton père? Pardon, va lui donner la nourriture maintenant à l'hôpital. Tu ramènes mes assiettes. Que ce soit la dernière fois que j'entends une chose pareille dans cette maison. Hélène. Ah, bonsoir, tu es où? Ok, j'avais envie de te voir. Oui, c'est vrai, encore les problèmes. Oui, c'est ma mère qui me prend la tête. Elle me demande d'aller voir Albina à l'hôpital. Rien de très sérieux. Je vais te raconter lorsqu'on va se voir.
J'ai vraiment besoin de toi. Ok. Je t'attends alors à peu près à quelle heure? D'accord, 15 heures. Ti, tu disais que qu'est-ce qui ne va pas avec Obinna? Les gars se sont battus. Je suis allée rendre visite à Dupré. Obinna est juste entrée et après toutes ces confusions, ils se sont battus. Mais ça c'est sérieux, vraiment sérieux. Oui. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec lui? Qu'est-ce qu'il cherche même au juste? Crois-moi, je savais pas, je suis fatiguée, épuisée des sales comportements enfantins d'Obinna. Dieu de miséricorde, mais ça c'est trop enfantin. Vois maintenant là où ça l'a conduit. Oh putain. Ah, docteur, je vais chercher partout. Comme vous voyez, Obinna a fait savoir qu'il ne voulait voir ni Ali, ni vous. Ici, il ne veut voir aucune d'entre vous. Pourquoi? Vous voyez, il se plaint du fait que quand il est arrivé chez lui, il a trouvé un homme presque nu. Le fait qu'il ait vu un homme presque nu ne veut pas dire qu'ils ont fait quelque chose, non? Ma soeur, s'il vous plaît, arrêtez de couvrir votre ami. Ce qu'a fait votre ami est mal. Regardez, ce gars, c'est son fiancé. Il a trouvé un homme presque nu dans sa maison. Alors vous attendez qu'il ressente quoi? Docteur, je ne sais vraiment pas ce qu'il ressent, mais en fait, le gars sortait juste de la salle de bain et Obinna est juste entrée. Et c'est pour ça qu'il aboie comme un chien enragé. Regardez, vous ne devez pas le blâmer. Vous voyez là maintenant, il est très chaud. Et nous devons le garder comme quelqu'un de très sensible. Une semaine? Je dois attendre jusqu'à une semaine? Vous voyez, je dois l'observer proprement avant que nous ne le déchargions. Peu importe, donc. De toutes les façons, si tu le dis. D'accord. Alors, j'imagine que vous allez vous calmer et aller parler avec votre ami. Ah, je vais lui dire. Depuis qu'on a pu parler de John, comment il va? Oui, nous verrons ça plus tard. Ah, incroyable. Alors, j'ai l'impression que vous irez acheter la robe de mariée très bientôt. Il ne me montre même pas encore qu'il est intéressé. Comment ça? Je vais dire, toutes les fois qu'on se voit ou on parle au téléphone, il me parle toujours comme une amie, quoi. Comme à sa jeune sœur, quoi. Il ne sait pas où ses sœurs se trouvent et ses amis. Je suis très sûre qu'il ne t'a pas encore invité chez lui. Non. Mais tu attends une invitation très spéciale. Ma chérie, s'il ne t'a pas encore invité, peut-être c'est parce qu'il a honte de toi ou à cause d'une raison que toi tu ne connais pas. Mais vous êtes ensemble, ça fait longtemps déjà. Moi, je pense que tu dois faire quelque chose. Invite-le au petit déjeuner, à dîner. Selon son emploi du temps. Vraiment, comment est-ce que tu penses que votre relation va évoluer si tu ne fais pas le premier pas? Ok. Je vais essayer. Alors, qu'en est-il d'Obinna? Est-ce que tu l'as vu depuis qu'il est sorti de l'hôpital? Il va bien. Oh, ne dis pas que tu n'es pas allé le voir depuis qu'il est sorti de l'hôpital. Essaie de le voir, non? Sinon, il va penser que tu t'en fous vraiment de lui. J'aimerais qu'on aille ensemble. Oh. Non! Il faut que tu ailles toute seule. Peut-être qu'il aurait besoin d'une petite intimité, quoi. C'est bon, pas de problème. Je vais y aller. J'espère que tu le feras très bientôt. Je t'ai dit que je vais y aller. Je suis désolée. Pourquoi tu allais le voir chez lui?
Je t'ai dit que je devais lui dire merci pour mes factures qu'il avait payées. Je t'ai demandé de rester dans le lieu. Ne l'ai-je pas fait? Ne l'ai-je pas fait? Hein? Écoute, si je vois encore tes pieds ici, hein, tu verras qui je suis vraiment. Obina, je t'ai dit que j'étais désolée. Tu es désolée? Ok, dis-moi. Depuis combien de temps est-ce que vous couchez ensemble? Quoi? Tu penses que je suis fou? Il ne s'est rien passé. Rien n'est arrivé. N'insulte pas ma personne. Je ne suis pas un idiot. Toi, derrière cet homme sans talent, tu dis que rien ne s'est passé? Bien sûr, il ne s'est rien passé. Ok, rien ne s'est passé. Hein? Que j'entre et que je sorte et tu vas encore ici. Obi! Mais je viens de te dire que j'étais désolée. Et ma soeur Harry. Alors, comment allez-vous? Très bien, merci. Et toi? Très bien. Ok, je pensais qu'elle était ici. Je me suis dit qu'elle viendrait peut-être te saluer. Ça c'est très bien. Alors, comment vont les choses? Tout va bien. Alors, quand est-ce que Obina sera déchargé? Il va être déchargé vendredi. Oh, vendredi. Ok. Je pense que je viendrai plus tard vous voir avant que Obina ne soit déchargé. Ok. Bonne journée à vous et très content de vous avoir revu. Dites-moi, docteur. Oui. J'espère que ça ne vous dérangera pas si je pose la question. Oui. Êtes-vous marié? Non. Pourquoi cette question? Pour rien en réalité. C'est juste la curiosité. Ok. Ne vous inquiétez pas. Très bientôt. Ok. Je pense que je vais devoir partir maintenant. D'accord. Hélène! Ma chérie, bienvenue. Que fais-tu là avec mon gars? Ton nom? Pam, s'il te plaît, calme-toi. Hélène est ma patiente. Ta patiente! Ta patiente, mon œil! Cette pute! Cette moins que rien! Mais je t'en prie! Pas! Hélène, pas d'ici maintenant! Pam, c'est bon! Excuse-moi! Je dis sors avant que je ne t'hospitalise! S'il te plaît! Excusez-moi! Maintenant! Docteur, ainsi je suis votre patient. Sors d'ici! Pars! Hélène, c'est bon. Ok, calme-toi. Je m'en vais. Hélène, s'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît. Arrête ça! Arrête ça, arrête ça! Quand tu n'as rien fait jusqu'à ce que cette fille nous parte d'ici! Hey! Vous les hommes, vous êtes tous pareils! Des menteurs, des trompeurs, des chiens et des cochons! Ish! C'est ma passion! Ta patiente, mon nez! Vas-y, marche sous mes yeux! Bébé, s'il te plaît, je ne t'ai jamais vu dans cet état avant. Oui! Vas-y, renseigne-toi, docteur! Lorsque tu m'as rencontré, je t'ai dit que j'étais blessée. Et tu as promis de ne jamais me blesser. Maintenant, tu as commencé ta part. Je te promets que cela n'arrivera plus. Mm-hmm. S'il te plaît. Mm-hmm. S'il te plaît. Tu es vraiment trop amusant, excuse-moi. Allô? Oui. Oh, c'est vrai. Oh, vraiment. Oh. Oh. Laissons ça pour une autre fois. Bye. Obina, tu es vraiment... Oh. Tu racontais quelque chose tout à l'heure. Tu sais que j'ai trop amusant. C'était qui? Au téléphone, c'était qui? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore, Obina? Désolée, s'il te plaît, dis-moi que tu me diras la vérité. Je viens de raccrocher pour être avec toi. Quel est oui, ton problème? Tu as juste raccroché pour être avec moi, d'accord? Tu as juste raccroché et... Mais peu importe. Peu importe? Peu importe, oui, peu importe. Tu... Oui, parce que tu es encore insolente. Quel est ton problème? Finalement, je te comprends même pas. Qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce que c'est? Demande-lui.
Hein? Demande-lui, maman. Demande-lui. Oh, attendez, oh. Est-ce que vous ne pouvez pas rester même pour une minute sans toutefois vous quereller? Quel est le problème? Demande-lui. Demande-lui pourquoi il y a demande-lui. Okay, demande-lui pourquoi il fait ça va, c'est non, bon. Tu sais que c'est toi le problème. Écoute-moi. Oh, ah bon, c'est moi le problème. Mais ma chérie, je m'adresse à toi. Désolée, maman. Ok, ça va. Mes enfants. Oui, maman. Ça va, calmez-vous, hein. Je suis en train d'aller au marché. D'accord, maman. Qu'est-ce que vous faites dehors? C'est lui, il est toujours en train de se plaindre. Tu m'insultes, s'il te plaît. Allons, calme-vous. Allons, calme-vous. Maman, c'est bien, ma chérie. Je t'aime, hein. Je t'aime aussi. Ok, bye bye. Quand tu fais toujours tout pour m'énerver. Quel est ton problème? Quel est ton véritable problème? Je n'ai pas de problème. Oh, vraiment? C'est toi le problème, hein. Respectons-le. Laisse. Bêtise comme ça. Ah. Mais, il n'a pas encore appelé? Non. Il n'a pas encore appelé. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien que je puisse faire. Je suis... Hélène... Je suis vraiment triste. Je suis confuse. Je suis dérangée. Je me sens confuse et dérangée. Et tout ça en même temps. Et je ne sais pas comment m'en sortir. Sois plus explicite. Je ne comprends pas. C'est Dupré et Obina. Plus le temps passe et chacun d'eux m'aime de plus en plus. Et ça devient très difficile pour moi de choisir. C'est difficile de dire si je veux aller avec l'autre ou si je veux pas aller avec l'autre. Parce que je les aime tous les deux. Et je suis confuse. Tu dois être vraiment chanceuse. Et pourquoi il ne demande pas ta main? Il en fait. Alors, lequel d'entre eux tu préfères? C'est là le problème. Je ne sais pas lequel je vais choisir. J'aime tous les deux, mais de manière très, très différente. Je ne peux pas du tout vivre sans l'un et l'autre. Tu es dans un gros problème, ma sœur. Bien, tu sais quoi? Continue à réfléchir. Je réfléchirai moi aussi à mon niveau. Parce qu'en fait, il est très difficile de prendre une décision maintenant. Merci aussi. Merci. Maman. Salut. Bonsoir, maman. Harry, comment tu vas? Ça va bien, merci. Et ta maman? Oh, elle va très bien, merci. Je l'ai laissée à la maison avant de venir ici. Oh, d'accord. Faudra la saluer à ton retour. D'accord. Ah, faut que je passe. Tu vas bien? Ça va? Alors? Oh. S'il arrivait que je ne te fasse pas d'enfant. Quoi? Oui, si je ne te faisais pas des enfants. Si je ne peux pas former une famille avec toi, peux-tu encore m'aimer? C'est bon. Ça va aller. Je ne voulais pas t'en aider, ok? Ne te prends pas la tête avec ça.
Harry est parti. Et pourquoi tu l'as reçu à mère? Maman, pourquoi devrais-je faire un enfant? Que Dieu ne plaise. Je dois porter mes petits-fils. C'est comment? Maman, je sais qu'il y a tellement de belles femmes ici dehors qui ne veulent pas en avoir. Qui? Comment? Ça va, ça va. Ça va. Vas-y ma copine. Je n'aime pas le suspense. Dis mon nom, qu'est-ce que c'est? Je suis sûre que tu as gagné un jackpot. Oui. Un vrai jackpot. Alors raconte-moi tout, je suis impatiente. Je voulais tout simplement te dire que l'un des deux m'a passé la bague. Ah. Attends, attends, attends. Lequel d'entre eux? Obina ou Dupré? Mais je sais que ce n'est pas Obina. Dis-moi, dis-moi, quelle est la surprise? Dis-moi, raconte. Oh, débat la surprise, j'attends, okay, non? Ok, c'est pas Obina, c'est Dupré. Oh, Seigneur, je le savais! Je suis vraiment contente pour toi. Je ne pouvais même pas imaginer que celui qui pouvait me demander ma main. J'ai plutôt pensé à l'autre, tu sais. Et je lui ai même posé la question de savoir, au cas où je ne pourrais pas le faire les enfants, est-ce qu'il va encore m'aimer? Qu'est-ce qu'il va faire? Et je lui ai même dit que je ne pouvais pas lui faire les enfants. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, vu qu'il aime les enfants, tu vois. Il est resté tout calme, comme tout gars, vraiment normal. Oui, il m'a juste dit, je t'aime comme tu es. Oh, tu es vraiment chanceuse. Écoute, je sais que ce gars t'aime vraiment. Je n'ai jamais vu un tel gars avant. Je crois qu'il t'aime. Honnêtement, il est impressionnant. Je ne savais même pas que telle personne. Je n'en crois pas mes yeux. Mais de toutes les façons, je le garde. Tu sais quoi? Quoi? Oh. Et j'espère que je viens avec toi. Et ça va être une grande célébration. Allons-y ensemble, comme tu le dis. Oh, ça va être merveilleux. Arrête-toi tout de suite. Je m'adresse à toi. Comment on se me tourne le dos? Tout va bien chez toi? Tu te rends compte de tes actions? Quel est ton problème? Pourquoi tu bois les parastamons pour mes maux de tête? C'est même quoi avec toi? Ah, Harry, je peux voir que tu veux te tuer déjà. Pourquoi tu veux laisser tomber ce gars? Pourquoi? Quel sujet de pitié que tu joues? Je n'aurais pas pitié de toi. Tu sais bien que ça ne marche pas avec moi. Ma fille, pourquoi? Maman, c'est comment avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'agit de ma vie. Personne ne va me forcer, même pas toi. Tu ne vas pas m'obliger à le faire. Ne me parle plus d'Obina parce que je ne l'aime pas. Et je ne vais pas... Et je ne vais pas l'épouser, ok? Si tu l'aimes tellement, épouse-le donc. Aïe! Comment tu m'as parlé de la sorte? Harry, tu veux me gifler? Mon ami tente de me toucher. Vas-y, touche-moi. Touche-moi, te va... Vas-y, frappe-moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ne tente plus. C'est quoi? Viens ici. J'ai dit, ne tente plus. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive à cette fille? Hey! S'il vous plaît, maman. Croyez-moi. J'aime tellement Harry. Et je vous promets, je ne vais jamais vous décevoir. Ne t'a-t-elle pas dit qu'elle se prépare à épouser quelqu'un? Oui. Oh, elle l'a fait. Mais tu continues à insister. Écoute, vous cherchez à tout prix quelqu'un sur qui vous allez déposer cette poisse-là. Non, 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 maman. Regarde, regardez, maman. La femme que j'aime, si elle était à mettre sur le marché, ce n'est pas tout le monde qui peut discuter son prix et l'avoir. Je dis je renvoie à l'expéditeur. J'ai dit que je renvoie à l'expéditeur. À ta mère, à tes soeurs, à ta famille tout entière. Tes frères, tes soeurs, toute ta génération entière. Écoute, ce sont tes gens, la famille de ta mère qui ont dit une telle abomination avant. Idiot. Non, maman. Non, maman, s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'aime trop Harry. Regardez, je l'aime au plus profond de mon cœur. Regardez, maman, j'aime tellement aller. Je l'aime d'un amour incommensurable. Je vous en prie, maman. S'il vous plaît. Je l'aime tellement.
Maman. Alors, je pense qu'on le fera aujourd'hui. Tu es occupé? Ah, tu as un travail à faire. Ok, on se verra après. Hein. Passe une bonne journée. Hein. Ok, bye. Bonjour monsieur, un nouveau message pour vous. Merci, tu peux disposer. Merci monsieur. Sottise, j'aurai les explications par rapport à tout ceci. D'abord, je m'en vais le voir tout de suite. La vérité, c'est que je n'arrive pas à comprendre quel genre de personne tu es. Tu fais quelque chose de mal expressément et après tu viens demander pardon. Ça ne va plus se reproduire. Que faisais-tu avec lui au restaurant? Tu sais très bien que tout est fini entre lui et moi. Il m'a demandé en tant qu'ami, tu sais, d'aller prendre le déjeuner avec lui. Et je suis allée tout simplement. Et si je n'étais pas partie, est-ce que tu sais ce qu'il aurait pensé de moi? Pourquoi ne m'as-tu pas dit en face que tu étais engagée à te marier avec lui? Oh, vraiment, je dois le lui dire? M'as-tu déjà épousée? Oh, vraiment? Oh, je peux maintenant voir ton cœur impénitent. Mais pourquoi je perds même mon temps ici? Arrêtons même cette relation pendant qu'il est temps. Non, n'y hey. Pense même pas. Qu'es-tu en train de faire ici? Oui. Puis-je vous aider? Je n'ai pas la signification de ceci. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas à propos d'une carrière? Bref, je suis sécurisé. C'est pourtant clair, monsieur Conduct. Satisfait? Maintenant sortez. Dupré, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je dis sortez! Tu sais. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, non? Ben, chante de boire. Tu bois toujours? Oh, mais ça va bien, ça va. Apporte une bouteille, moi, une bouteille de lui. S'il te plaît, apporte le même coup. Monsieur, vous n'avez pas payé la première commande. Quoi? Tu es mal. Mais gars, c'est comment? Mais. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu as un problème? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il t'a dit qu'il ne paiera pas. Mec, ça va. Va juste prendre la boisson, Jean. Monsieur, c'est pas un problème. C'est qu'il boit depuis 11 heures et j'ai fait la facture. Tant qu'il n'a pas payé toutes ses bouteilles, je ne peux plus servir. Et il ne saura même plus la route de chez lui. Je demande, est-ce que ça te concerne? Hein? Apporte juste la boisson, c'est tout. On t'a même ramassé où? Ça va, mec, ça va. Des bêtises. Elles sont toutes les mêmes. Oh. Oui, mais c'est ça. Qui est là au bureau? Elles n'ont du tout rien à la tête. Je ne sais. Vraiment,
vois, garçon, les filles, non? Même tu vois, donc tu as recommencé. Quel est le problème? Dis-moi. Ma colère n'était pas complète. C'est une humiliation, ça. Hey man, tu vois. Mais si c'est moi, je poignarde. Oh, gars, c'est un pote que je connais depuis l'université. Hein? C'est lui. Hein? Mec, tu vas très loin. Tu dois lever dans ta tête que vous êtes proche. Mais pourquoi ne cherches-tu pas quelqu'un de puissant? Quelqu'un de mystique qui vient pour la montrer? Je ne suis jamais allé chez un spiritualiste depuis que je suis né. Ça, calme-toi juste. J'en connais un. Hein, tu dis, c'est un gars performant. Je t'assure. Putain, je ne blague pas. Alors, où vit-il? Je ne sais pas vraiment. Ah, j'aurais pas dû te faire confiance. Ah, donc si tu veux m'énerver, je t'amènerai. Alors, toutes ces filles, particulièrement celles-là, je crois que c'est le moment que tu feras quelque chose. Oh, on ne commence pas. Je ne veux que rien de mal lui arrive. Je vois que tu l'aimes encore. Bien sûr. Tu sais quoi? Voilà ce qu'on va faire. On déchiquette plutôt le gars. Voilà ce que je veux. Ah, voilà, tu comprends. Alors, quand est-ce que nous partons nous voir? Tu vas d'abord me donner quelques jours pour que je fasse des renseignements. Alors, je t'amènerai. Ok, prends ton temps. Je vais lui faire ça dur. Hein? Je suis fatigué. Je suis bien fatigué. Yeah. Bonjour. Es-tu en train de chercher quelqu'un? Oui. Et qui ça peut bien être? Toi. Moi? Quoi? Tu n'as pas dans cette maison. Ok. Donc, maintenant, tu m'interdis d'entrer chez toi. Non. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ok. Bien, tu as gagné. Je suis désolée. Oh, ça va. Non. Hein? Lève-toi. Écoute, arrête de pas te causer du tort. Hein? Tu vois, c'est toujours la même chose. Mais tu ne comprends pas que je suis désolée. Tu es désolée. Tu sais, tu peux faire tout n'importe quoi et venir ici juste pour demander pardon. Tu vois, c'est facile. Alors, comment tu me l'expliques? Mais je t'ai vu assis sur une manière qui me donne tellement de raison à moi. Harry, tu es une magnesse pathétique. Comprends-tu toujours pour fou? Quoi les excuses? Pardon mon neige. Sors de ma maison. Pétasse. Mais j'ai vraiment essayé de t'empêcher d'aller là-bas, mais tu ne m'as pas écouté. Hélène, je suis tout simplement allée lui dire que j'étais désolée. Désolée parce que je suis allée voir Dupré. Est-ce que c'est un crime? Mais regarde là où ça t'a conduit. Mais pourquoi ça t'a l'air étrange? Donc c'est un crime quand il lui dit que je suis désolée pour ça? Écoute, il n'y a rien de mauvais à ça. Mais il faut faire des excuses à une personne qui peut les apprécier au moins. Obina est un homme. Mais il se sent encore mal. Il se sent encore mal à cause du fait que tu l'as laissé tomber. Écoute, je te donne ce conseil pour ton propre intérêt. Arrête de partir là-bas. En fait, écoute, si tu dois aller là-bas, tu lui laisses quelque temps pour qu'il éponge sa peine. Repartis là-bas. Chez lui. Oh, s'il te plaît, pardon. Laissons tomber.
Pardon. Après demain, tu porteras tes maigres pieds pour aller chez lui. Comme si elle essaie de te pousser là-bas. Sérieux, je n'irai plus là-bas. Mais vraiment, dans ce point, un homme, comme Obina, tu dois accepter toutes ces insultes-là. Mais non, quand même. Essaie juste de te calmer et résoudre ce problème. Quoi? Parce que moi, je voulais tout simplement dire désolé, désolé. Vraiment, rien de plus. Arrête d'aller là-bas. J'ai arrêté. J'ai arrêté. Donc, il veut dire qu'il est trop parfait. Mieux de lui. Moi, quoi? Je... Il faut que je te voie. Peu importe ce que tu as dit, dis-le vite. Je suis désolé pour ce qui s'est passé hier. Je n'étais pas trop dans mes états. D'accord? Ok. Pas de problème. J'accepte de te pardonner, mais j'aurai un visiteur tout à l'heure. Tu ferais mieux de partir. Je t'aime. Harry, je ne peux pas vivre sans toi. Vraiment? Oui. Ok. Donne-moi une minute. Excuse-moi, moi. Oh, Obina. Ah, ça va. Est-ce que Harry t'a parlé au moins? Oui, elle m'a demandé de l'entendre. Ok. Ah! Idiot. Qu'est-ce que ceci veut dire? Un vrai idiot. Harry, ça veut même dire quoi tout ça? Sors de cette maison! N'importe quoi. Maman, qui me laisse tranquille. Je ne veux plus avoir affaire avec lui. Aïe, aïe, aïe. Attends. Qui? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Il faut lui demander. Je lui ai dit de me laisser tranquille, mais il ne veut pas. Alors tu as un visiteur? Oui, c'est mon visiteur. Quel est ton problème? Obi, tu ne veux pas laisser tomber? Ne te fie pas sur toi ces impressions. Alors mon boss te donne plus que je t'en donne. Donner quoi? C'est pour cela que tu me suis jusqu'au supermarché? Bien. Moi, jusqu'au supermarché. Et que ta honte de t'accompagne. Sors d'ici. Obi, ça va, désolé, hein? Maman, laisse-le partir, oh. Il part. Je veux parler avec toi, tu montes pas. Laisse-moi tranquille, Obina. Aïe. Qu'est-ce que tu es en train de faire? T'ai-je demandé de te reposer? Réponds à ma question. S'il te plaît, je suis fatiguée, Obina. Je suis très fatiguée pour le moment, s'il te plaît, ok? Je veux tout simplement aller dans la chambre. Si tu ne veux pas m'aider, va, assieds-toi là-bas. Où est ton petit ami, hein? Où est cette tête de mule? Laisse-moi. Reste là. Arrête. Qui vient là? Ne m'énerve pas, hein? Arrête. Où est ton amoureux? Arrête. Arrête. Tu veux te coucher au sol? Ok. Attends, je vais t'aider. Couche-toi. Arrête ça. Il est où? Dis-moi, il est où? Tu feras mieux de te contrôler. Tu feras mieux de te contrôler. Pourquoi tu fais ça? Obina, arrête. S'il te plaît. Calme-toi. Arrête. Comporte-toi, hein? Alors, comment se sent-elle maintenant? Un petit progrès? Oui, elle reprend traitement. Oh, merci, Seigneur. Alors, a-t-elle essayé de dire quelque chose? Oui. Elle a essayé d'appeler ce numéro. Oh, merci. Je vais appeler le numéro. Oui, allez-y. Où
Oui, allô? Allô? Suis-je en train de parler à certain Debré? Oh, mon nom c'est Flo Jones. Quelqu'un demandait que je vous contacte. Oui, quelqu'un dit que je vous contacte. Harry. Elle est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital à l'heure actuelle où je vous parle. Hôpital Amazing Grace. Ok, merci beaucoup. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Oh. Il est sur le chemin. Ok, c'est bon. J'arrive! Oui. Que puis-je faire pour vous? Êtes-vous Monsieur Linabel? Bien sûr que c'est moi. Quoi puis-je vous aider? Je suis l'inspecteur André de la section criminelle. Oui. Vous êtes en état d'arrestation. Pour quelle raison? Quand vous serez au commissariat, vous vous expliquerez. Je ne vais nulle part si vous m'expliquez. Ah! Monsieur, faites vite! Je le savais, hein? Hein? Je le connais! Faites vite, vous me perdez du temps! Je sais que ce gars peut mettre tous les moyens pour m'assassiner. Tu vas souffrir! S'il vous plaît, officier, permettez-moi juste d'annoncer. Non, non! Vous n'irez nulle part! Mais qu'est-ce que vous faites encore là à le regarder? Allez, embarquez-le-moi très vite! Doucement, non? Doucement, non? Doucement! Alors, comment tu te sens maintenant? Je dois avouer que je sens un trou émotionnel qui me rend le moral vraiment bas. Je te comprends. Je te comprends. Mais essaie juste de te calmer afin de surpasser cela. Ma chérie, merci. Merci beaucoup. Tu es la bienvenue. Si ce n'était pas à cause de toi, c'est sûr que ma fille serait morte maintenant. Ma fille, je ne pouvais pas imaginer que ce gars a le cœur d'un meurtrier. Si ceci s'était passé aux États-Unis, je me serais rassurée que ce misérable passe toute sa vie derrière les barreaux. Gauche. Ma chérie, la loi aux États-Unis protège les gens. Ici au Nigeria, les criminels payent de l'argent pour se retrouver hors des barreaux. Et surtout pour un cas de viol comme celui-ci, ils ne vont jamais se retrouver en prison, ma fille. Il va tout simplement payer une caution et se retrouver dehors. Ça, c'est l'un des problèmes qu'on a dans ce pays. Et où est ce bâtard? On lui a envoyé une convocation? Au Nigeria? Non, on l'a relâché il y a de cela 3 jours. Il y a de cela 3 jours, on l'a relâché. Et c'est ainsi que ça se passe au Nigeria. Ça, c'est tellement mauvais. Je veux dire, le cas de viol, c'est une infraction sérieuse aux États-Unis. Et le coprésident peut ôter la vie juste à cause de ça. Mon Dieu. Écoute, ici au Nigeria, on ne considère pas de telles choses. Tu sais, ma chère, tout est différent ici. Tout est vraiment différent. Dieu merci, tu es là. Et tu auras le temps de voir comment tout cela se passe ici. Pas toi-même. Tu sais juste de me décourager. Ok, même si je pars du pays, je suis maintenant intéressée par ce cas. Écoute, s'il te plaît. Et si on ne le juge pas, je vais me rassurer que les droits de l'homme et les droits de la femme y soient impliqués. Ça, c'est tout ce que je ne voulais pas. Mon désir le plus profond, c'est qu'ils vivent en paix. Et moi, oublier tout ceci. C'est ça le problème. C'est juste ça le problème. Dites-moi comment les cas de viol vont finir dans ce pays. Quand les victimes essaient de s'échapper de la publicité.
coche. Tu as la voix violée, non? Maintenant, tu t'as des ennuis. Je l'ai fait. Je t'assure. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle a survécu. Tu l'as fait? Je vois comment tu l'as étranglé. Un gaillard comme toi. Ah. Tu feras mieux de saisir un avocat. Surtout un excellent. Autrement dit, tu seras toujours malaxé. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Juste pour une petite amie? Obi, ce n'est pas une blague! Tu as trois motifs pour le faire, hein? Malpréhension, viol et tentative de meurtre. Mais si tu avais 5 ans, ton avocat serait un errant. Là, tu sais ce que je devrais faire? Je devrais faire oui à ce type! Ouais, je sais pas. Le torturer, je ne sais pas. Je me dis que c'est toujours insuffisant. Je ne sais même pas si j'irai au bureau tous ces jours-ci. Mec, faut que tu ailles au bureau. Tu es un innocent, c'est juste une petite erreur. Tu as raison. Merci, gars. Merci. Ah! Mais doucement, non, mec. Fais juste attention à toi, d'accord? Et rassure-toi de prendre un médicament. Je viendrai te voir après. Tu n'as pas le droit de me renvoyer de ce bureau sans raison valable! Je suis ton boss. Et par les pouvoirs qui me sont donnés, je peux renvoyer qui que ce soit de cette boîte, monsieur Condot. Y compris un fou incapable violeur comme toi! C'est à cause de cette petite pétasse, je ne sais même pas que tu veux. Tu essaies comme ça de me dire. Oh, on ne l'essaie plus jamais. Hein? Alors tu peux voir, mec, que je peux en finir avec toi quand je ferai comme bon, ça me chante. Donc, n'énerve pas surtout. Maintenant, sors de mon bureau. Sors! Je pars. Mais permets-moi de laisser d'abord un message à ta chérie. En tout cas, dis-lui de bien se tenir, mon cher ami. Parce que tu sais ce que ça veut dire, non? Je serai de retour. Salut, papa. Bonjour, jeune Sam. Comment puis-je vous aider? Papa, nous sommes venus pour vous. Chut! Je sais pourquoi vous êtes là. Quelqu'un t'a pris, ta bien-aimée? Oui, papa. Oui, papa. Et il est dans ton lieu de service. Tu as raison, papa. Calme-toi. Il est bon. Toi, apporte 5000 naira. Donne-moi. Oui.
fais maintenant. Tiens, papa. Hein? Tu veux te venger. Donne-moi ta pomme. Jeune homme, tu es venu te venger. Oui, papa. Mais pour ton intérêt, je te dirai de rentrer à la maison. Papa, quel est le problème, papa? Je vois des larmes couler comme une rivière. Papa, c'est ce que je veux. Je veux que tout le monde dans cette famille, tout le monde, que tout le monde dans cette famille soit dans les larmes. Jeune homme, es-tu un jumeau? Jumeau? Moi? Non, papa, je ne suis pas jumeau. Non. As-tu déjà demandé à tes parents la vraie nature de ta naissance? Non, papa. Sais-tu si tu es un jumeau ou un triplé? Je ne suis pas jumeau ou triplé. Je suis très sûr de moi. Non. Vous les jeunes, vous avez besoin d'être de beaux pouvoirs. Mais nous les vieillards, même ainsi, nous voyons. Le pouvoir de ce charme après préparation est irrévocable. Maintenant, rentre à la maison. Allez, va! Obi, je pense que papa a raison. Tu es sûr? Oui, tu feras mieux de rentrer à la maison et demander la nature de ta naissance. Tu pas jumeau. Oni, je pense que tu devrais d'abord rentrer te renseigner sur toi avant de faire quoi que ce soit. Chérie. Regarde. Omina, viens ici. Qu'est-ce qui lui arrive, non? Obina, tu es de mauvaise humeur depuis le matin. Qu'y a-t-il? Rien, maman. Mais rien? Mais tu parles qui m'est? Papa? Oui? Maman, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Hein? Mais j'ai une question. Vas-y, pose ta question. Y a-t-il une infinité de chances que soit jumeau ou triplé? Qu'est-ce que ça veut dire ça, hein? Obina, tu n'es pas jumeau. Ah! Obina! Maman, c'est juste que j'aimerais savoir les conditions de ma naissance. Hein? Tu n'es pas jumeau ou je ne sais quoi. Seulement que tu pesais trop à la naissance. Et même le docteur a suggéré que j'accouche par césarienne. Oui. Mais Dieu était de mon côté. J'ai été capable d'accoucher aisément. Maman. Désolé. Voilà pourquoi tu vas être maudit. Tu n'es pas jumeau, tu n'es pas triplé, tu es toi-même. Tu sais, maman, tu me poses souvent certaines questions. Mais il y a la nôtre. Oui, nous devons aller dans. Alors, comme une famille. Alors, non, monsieur. Ma maman veut d'abord que nous fassions le mariage à l'église avant et ensuite on fera le mariage traditionnel après. Non, c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de faire. Ça devait être d'abord le mariage traditionnel avant la mairie. C'est vrai, mais en ce qui concerne ma maman, c'est par rapport à la distance du village qui est très loin. Maman, demande-lui. Elle a mis la peur en cette pauvre femme. Ça peut être... Oui. Ça peut être vrai, non, tu sais. C'est pourquoi elle insiste. Mais tu vas faire quelque chose. Le traditionnel, c'est pourquoi elle insiste. Dis à ta mère que lorsqu'elle sera prête, qu'elle nous fasse... La peur? Mais de quelle peur est-ce que tu parles? Papa? Quand elle sera prête, elle a eu un de ses rêves. Comme quoi le mariage pourrait être perturbé.
C'est ça. Ma chérie, je pense que c'est ton imagination qui s'est transformée dans le rêve. Quelqu'un aussi a eu soi-disant rêve voyant un jeune homme apparaître dans le bureau. Ça peut être vrai, tu sais. Mais tu vas faire quelque chose pour nous. S'il te plaît, ma chérie, dis à ta mère que lorsqu'elle sera prête, qu'elle nous fasse signe à temps. Cependant, nous allons assurer la sécurité de l'avenue en ce jour en amenant les policiers. Maman, maman, on n'invite pas de policiers. Que c'est quoi ça? Qui va nous déranger à ce point-là? C'est bon, maman. Un maman ne veut pas une grande cérémonie, tu vois. Elle veut juste un truc simple, juste avec les membres de la famille, les amis. Bref, maman, pas une très grande cérémonie, quoi. C'est mieux, c'est mieux. Oui. Après le mariage, lui allons pouvoir venir à la réception. Oui, c'est bon. Obi, je t'observe depuis et je sens que tu es très joyeux. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi la bonne nouvelle. Attends, David, pourquoi est-ce que moi je t'ai donc invité ici? Quand vient de se blaguer, il y a une bonne nouvelle. Tu as gagné le jackpot. Regarde-toi, il demande si c'est le jackpot. Mon frère, ça c'est plus que le jackpot. Une minute. Je crois connaître. Tu n'es pas jumeau. Poupam. Regarde, tu joues. Ma mère dit qu'elle n'était pas jumeau là. Tu ne croiseras personne ici dehors que tu pourras confondre. Quelle bonne nouvelle, gars! C'est la nouvelle de l'année, gars! Obi, mission accomplie! Maintenant, il faut que j'aille faire, papa. Hey! Obi! Tu veux vaincre? Je veux dire là. Tu veux reprendre tes affaires? Je vais les exterminer. Gars, ça c'est la nouvelle de l'année. Continuons-nous à boire. Yeah. Est-ce que ce n'est pas déjà trop? Écoute, je prends ces photos parce que j'en aurai besoin pour toujours me rappeler d'où je viens. Ella! Ella! Ce n'est pas vrai! Docteur! Ella! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ça fait longtemps! Je suis tellement excitée de te voir! Salut! Oh salut ma chérie! Comment tu vas? Hey, c'est Joanne, l'amie de la famille. Elle vient tout juste d'arriver au pays. De Londres? Non, États-Unis. Oh, c'est un plaisir de rencontrer. Oh, c'est mon amie et ça fait longtemps que je n'ai plus vu Docteur Aguari. Je suis tellement contente de te voir. Viens, embrasse-moi. Oh, c'est bien de se retrouver. Que fais-tu à Lagos? Je vis à Lagos. Et ça fait longtemps déjà. Depuis quand? Depuis 5 ans. La vie devenait de plus en plus difficile pour moi à Port Harcourt. Alors j'ai décidé de revenir à Lagos. C'est très bien ça. Et tu ne m'as même pas fait savoir non, que tu je l'ai fait. Je suis allée dans ton lieu de service. Alors on m'a dit que tu es tout le temps en train de voyager et qu'à présent tu te trouves à Londres. Oh, oui, oui, ça c'est vrai. C'est juste presque toujours en voyage. Ah bon? Je suis contente de te voir. Moi aussi, je suis contente de te voir. Oh, merci. Dis-moi, comment va ta petite fille? Petite fille? Elle est déjà grande. D'ailleurs, elle va se marier ce week-end. Elle se marie? Oui. Waouh, c'est merveilleux ça. Tu as une invitation sur toi là? Oui, bien sûr. Je vois, je dois être là. Et comment que tu dois être là? Oh, c'est... Tiens, écoute, il faut absolument être là, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de l'appuyer. J'ai aussi envie de voir ma petite fille se marier. Écoute, ma journée est un peu trop chargée aujourd'hui. Je suis tellement contente, je suis contente. Moi de même. Ma copine, okay. À ce bon mariage, je serai là. Bon, on se voit au mariage, d'accord? Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je suis venue donner le billet d'invitation à une amie. Ok. Après, j'ai eu envie de prendre des photos. Ok. Oui. On se veut prendre quelqu'un là. Je t'attends au mariage, hein? Ok, on se voit au mariage. Bye. Tu es sûre que tu n'es pas un jumeau? Je t'assure, je ne suis pas jumeau. Ma mère me l'a confirmé, non? Vraiment sûre? Oui, papa. D'accord. Prends cet œuf. Maintenant. Prends-le. Ramasse, non. Prends-le maintenant. C'est toi, non. C'est toi qui as besoin d'aide. Prends-le, je dis. Cet œuf, garde-le où d'autres yeux ne pourront le voir. M'as-tu compris? Oui, papa. Réveille-toi à 2 heures dans la nuit.
Dis tout ce que tu veux dire à cet œuf et il le fera. Oui, papa. Ensuite, appelle le nom de cet homme, cette fois. Tout ce que tu voudras sera fait. Es-tu sûr que tu n'es pas un jumeau? Non, je ne suis pas jumeau, ni triplé, ni quadruplé. Mes parents me l'ont confirmé, non? Parce que si tu l'es, tu recevras le feu. Je ne suis pas un jumeau. Tu es sûr? Très sûr, je te l'ai déjà dit, non? Parce que ce charme est irréversible. Maintenant, allez-vous-en. Partez! Partez! Tu veux quelque chose, hein? Obina, tu vas bien? Oui, maman. Je vais bien. Pourquoi cette question, non? Bien, parce que tu te comportes étrangement depuis un temps. Je vais bien, hein? Ne t'inquiète pas pour cela. Alors, pourquoi me posais-tu toutes ces questions à propos d'être jumeau, je sais que... Je voulais juste savoir si je m'étais jumeau ou triplé, c'est pas... Maman, j'aime les jumeaux. Alors? Maman, laisse ça. J'aime seulement les jumeaux. Alors pourquoi tu perds le temps? Prie Dieu de t'en donner les tiens. Ah, maman, dès que ce sera possible, je te rends heureuse. Hein? Alors je te le demande. Je veux les petits-fils. Ma, je vais te les donner, ok? T'inquiète pas, tu vois. Prends soin de toi. Embrasse papa pour moi. Salut, ok? Prends soin de toi. Hein? Bye bye. John, vous m'avez dit que vous ne parliez plus que les quoi. Donc, autant nous voyons vraiment, il y a l'air de rendre aussi vraiment des temps l'air de terminer une fois que nous avons dit que vous vous dites maintenant. Maman, il faut d'abord que tu aies dans un profond sommeil tout de suite, comme tu n'as jamais dormi. Des prières. Écoute-moi maintenant, écoute-moi bien. Quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, hein, tu mourras. Meurs. Obina, qu'est-ce qui se passe? Obina,
Qu'est-ce qui s'est passé? Mina! 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me cherches à la voiture, Mina! Vas-y! Mina! Mina! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est clos! Je vais enlever mon fils ici tout de suite! Mais c'est quoi? Bonjour monsieur. Salut monsieur. Je vais enlever mon fils ici tout de suite. Mais monsieur, votre fils est toujours sous traitement actuellement. C'est à vous de me dire, parce que depuis qu'il est là, il n'y a pas de changement, il n'y a rien là. Hein? Monsieur, regardez. Nous ne faisons pas d'erreur. La médecine ne répond pas à tous les besoins. Peu importe, depuis là j'attends, mais vous ne faites absolument rien, je ne vois pas de changement, non? Bien, ok monsieur, nous allons faire ce que vous voulez. Ok, c'est mieux comme ça. Allons-y dans mon bureau, je préparerai les factures pour vous. Dans votre bureau? Oui monsieur, mais c'est en bas, c'est en bas. En bas, ok, monsieur. Allons-y. Il dort encore? Mais comment il va? Il ne dort pas. Il est encore agité. Chérie, la façon que je vois cette histoire, c'est comme une attaque. L'attaque? Oui. Qui attaque qui? Ou alors, je ne vois pas bien. Souviens-toi de la personne dont tu nous as parlé dans son lieu de service. Oui, tu as raison. Qu'allons-nous faire? Je suggère qu'on l'amène chez un bon pasteur. Alors il pourra détruire le charme qu'on a utilisé en lui. Tu vois, je me rappelle toujours de cette question. Tu vois, j'ai presque éclaté de rire lorsqu'il a posé cette question. Quelle question? Mais je veux dire par rapport aux parents d'Obina. Il a raison de demander. Après tout, il ne savait pas que nous étions ses parents. Hein? Tu sais, j'ai presque éclaté lorsqu'il a posé cette question. Toi et tes choses là, cet homme est fou. Il n'y a plus de temps. Alors, quel pasteur suggères-tu qu'on aille voir maintenant? Chérie, un pasteur à l'Akedja. Une amie m'a parlé de lui. On m'a dit qu'il est bon en prière et délivrance. Amenons-le là-bas. À la Kidaya. Oui. Ok. Je prie que mon fils ne meure pas. Je prie que Dieu accorde sa miséricorde. Mais alors, il ne va pas mourir. Mais mon amour, calme-toi. Tu n'étais pas reposé depuis hier. Ok, viens. Lève-toi. Lève-toi. Tu vas aller à l'intérieur et tu vas aller te reposer. D'accord? Dès que je finis ici, je m'en vais rester avec lui. D'accord? Vas-y, c'est bon. Enfin, ça va aller, ça va aller. L'esprit du Tout-Puissant m'a ordonné de venir prier pour lui ici, là, jusqu'à ce qu'il guérisse. Ok, c'est bon. Mais est-ce pour cela que vous étiez en train de demander sa présence, là? Effectivement. Ok, intéressant. Dès qu'il est le prochain, l'esprit du Dieu Tout-Puissant m'a révélé certaines choses. Certaines choses mystérieuses en liaison avec la naissance de ce jeune homme. Merci Seigneur Jésus. Excusez-moi, je Sans sortir. Femme! Où avez-vous pris ce jeune homme? Je t'en prie, pardon. L'avez-vous mis au monde?
Bien sûr que oui. Non, vous mentez. Ce jeune homme ici a été volé à quelqu'un. Comment oses-tu venir m'insulter dans la maison de mon mari? Jésus-Christ. Chérie, mets ce faux pasteur à la porte tout de suite. Sors de chez moi. Merci, Seigneur. Sors. Maintenant. Merci, Seigneur. Pasteur, je ne peux plus écouter ce que vous avez à dire. Allez, sortez, sortez d'ici. Je veux rien comprendre. Sortez. Souvenez-vous de ce que dit la Bible. Ne touchez pas à mon noir et ne levez pas vos mains sur mes prophètes. Jésus, merci. La vérité sortira. Merci, Jésus. Je n'ai aucune puissance. Je n'ai aucune puissance. Je te confère au Saint-Esprit. Je n'ai aucune puissance. Monsieur Ben, l'Esprit du Tout-Puissant Dieu que je sers m'ordonne de te dire que ce jeune homme a été volé une femme qui a fait des triplés. Quoi? Et ce garçon ici a essayé de tuer quelqu'un. Et la même attaque qu'il envoyait est retournée vers lui. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je bénis ton nom. Sauf si ta femme confesse ses péchés. Et ce jeune homme sera ramené vers ses frères jumeaux. Ou alors il mourra. Non, non, pasteur. Non, pasteur, Seigneur Jésus, merci, mourir, oh Seigneur. S'il te plaît. Bénis ton nom, Seigneur Jésus. Pasteur. Oh Jésus. S'il te plaît, prie Dieu de me pardonner. Mon fils ne doit pas mourir. J'étais tellement désespérée d'avoir mon propre enfant. Femme. S'il te plaît, sauve mon fils. Où sont les autres jumeaux? Pasteur. Pasteur, je n'ai jamais su que oh, je n'ai jamais su que ta mère m'a vendu. Pasteur, chérie, s'il te plaît. Donc, tu as volé ce garçon et tu m'as même fait croire que c'était le mien. Monsieur Ben, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ce à quoi vous devez penser maintenant, c'est de savoir comment trouver ce docteur Abani pour qu'il explique ce qu'il en est des autres jumeaux. Non. Oui, monsieur, je vous entends. Faites vite, monsieur, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup. Merci, s'il vous plaît. Merci. Apprécie. Non. Je ne comprends pas. Laisse-moi. Allô? Hey, y a quelqu'un? Infirmière! Oui, c'est ici. Infirmière! Oui. Bon après-midi. Est-ce qu'il y a un problème? Nous cherchons le docteur Bani. Désolée, elle n'est pas là. Y a-t-il un problème? Et docteur Lucas? Ça fait longtemps que nous n'avons pas de ces nouvelles. Et elle est dans où? Je ne sais pas. Comme vous ne le connaissez pas, vous devez me suivre au poste de police maintenant. Pourquoi? Ne vous inquiétez pas, c'est juste 2 ou 3 questions de routine. Ça va aller. S'il vous plaît, permettez-moi de l'appeler. Je l'ai entendu dire plus tôt qu'elle devait se déplacer. Nous n'avons pas le temps pour tout cela.
S'il vous plaît, attendez, je l'appelle. Vous pouvez même le joindre. Allô, docteur. Docteur, il y a des gens ici qui veulent vous rencontrer. Ok, ok. Sephora. Que se passe-t-il ici? Êtes-vous le docteur Bani? Oui, c'est moi. Je suis l'inspecteur Andrew. Vous êtes en état d'arrestation. Pour quelle raison? Vol d'enfants. Tu es venu ici? Je veux dire, après tout ce que j'ai fait pour toi, Dieu te jugera. Il te punira. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il était... Tout était fermé à vos bouches. Vous connaissez Dieu? Vous connaissez Dieu, hein? Des criminels comme vous. Maintenant, vous, madame, où est l'autre jumeau? Mais je m'adresse à vous. Où sont les deux autres décuplés? Je ne sais pas où retrouver le couple qui a l'autre triplé. Mais l'autre triplé là, elle se marie aujourd'hui. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Oh, oui, je suis sûr. Oui. Ok, allons-y d'abord au poste de police et ensuite nous irons à l'église pour en savoir plus. Allez, mais officier, pourquoi vous vous tenez là-bas comme si... Arrêtez là, on dégage. Allez madame, bougez. Allez, bougez s'il vous plaît, avancez. Infirmière, occupe-toi. Madame, va bouger, bougez. Ok madame. Hey. Alors, le médecin Tina est comme ça suspecté. Oh, Dina, tu ne seras jamais en paix. S'il y a une quelconque raison ou une personne pouvant s'opposer à cette union, que la personne le fasse maintenant. Dans le cas contraire, les deux seront unis à jamais. Arrêtez tout s'il vous plaît. Qu'y a-t-il, jeune homme? Et qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Andrew au service de la police. Que faites-vous ici? Cet homme et son épouse. Les parents du gendre. C'est le couple qui a acheté le dernier bébé chez moi. Oh, cela veut dire que cette femme qui est là, c'est la mère du mari. Oui. Elle est la mère du jeune homme là derrière moi. Et les deux qui sont sur le point de se marier. Était-elle d'accord ou bien accepter l'avance des bébés? Non, officier. Cela voudrait donc dire que ces deux sont frères et sœurs. Mais c'est quoi cette chose insensée? L'inceste! C'est pas possible! Je dégage d'ici pour pas être partisan de cela! Nette! S'il vous plaît, empêchez-les de se marier. Ils ne peuvent pas se marier. Regardez, quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? Pasteur, que ceci aille se faire résoudre dans la maison. Il n'y a plus rien à faire ici. Ah, c'est vrai, pasteur. Ils ne peuvent se marier. Ils sont frères et sœurs. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Vous êtes frères et sœurs. Amenez cette femme ici devant elle. Explique tout ce qui s'est passé. Ça va, ma chérie.
Ça va aller, ok? Ça va. Et n'oublie pas ta condition. Hein? Et là, je ne sais même plus quoi faire maintenant. Il m'a abandonné. Hein? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh? Et là, parle-moi. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas tant de temps à répondre. Je te l'avais pourtant dit que ce gars-là allait t'amener nulle part. Non, ce n'est pas ça. J'ai juste eu de la compassion, compassion pour lui. Tu dois me comprendre. Donc, c'est mauvais alors de faire le bien à quelqu'un et qui est dans le besoin. J'ai voulu l'aider, c'est tout. Quoi? Non, je suis chrétienne. Chrétienne? Mais tu vis dans la fornication. Ok, hein, j'ai forniqué. Alors c'est pour ça que tu vas m'envoyer tuer, hein? S'il te plaît, tu dois absolument m'aider, s'il te plaît. Ok, ça va. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit rien. C'est juste parce que tu attends déjà l'enfant de lui qui fait ça. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Je veux que je te dise quoi d'autre. Il est malin. Comment vas-tu pas enlever les bêtises et puis continuer ta vie? Mais qu'est-ce que tu dis? Ma mère ne m'a pas voté pour que je vote aussi à mon tour. Hein? Seigneur. Mon ami, qu'est-ce que je vais faire? Le problème, c'est que je n'ai même pas l'argent pour retourner au village. Hein? Oh Dieu, que vais-je faire? Que vais-je faire? Ça va, Robert. Tu dois te souvenir que tu es enceinte. Je sais. Tu ne peux pas nous laisser partir comme ça. Juste comme ça. C'est très irresponsable de sa part. Je ne veux pas l'arrêter de force. Arrête de pleurer. Tout ça ne va pas résoudre le problème. Ça ne va apporter aucune solution. Merci de me soutenir. Oh, dis-moi, Bani. Dis-moi pourquoi tu ne me donnes pas d'enfant. Dis-moi ce qu'il faut faire pour qu'il ne me donne pas d'enfant. Et que cet homme me laisse tranquille. Alors, vous êtes encore battu cette fois-ci? Il m'a donné un délai de 3 mois pour concevoir. Sinon, il épouse une autre femme. Ça, c'est absolument une bêtise. Comment est-il sûr que ce n'est pas de sa faute? Oh! Bien, ça va. Arrête de pleurer. Ok? Je vais te recommander un gynécologue la prochaine fois que je viendrai. Oh, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur. Si je pouvais concevoir le plus tôt, tous ces problèmes, toutes ces bagarres s'arrêteront. Merci beaucoup, docteur. Ça va. S'il te plaît, prends soin de toi. Hein? Et ne pleure pas. Oui, je vous promets. Merci. Docteur, j'ai vu votre amie quand je venais. Elle va bien? Qui? Ikeno. Je l'ai vue là tout à l'heure et s'en allait. Elle me fait pitié. Bien, son mari me menace de la chasser et prendre une deuxième femme si elle ne conçoit pas. Dans 3 mois? C'est comme ça que vous avez une maison. Merde, êtes-vous sérieuse? C'est cruel. Bien. Des fois, la vie se donne envie de disparaître, tu sais. Regarde cette jeune femme qui se torture le corps à pleurer parce que son copain l'a abandonnée parce qu'elle est grosse. Et celle-ci qui a besoin d'un enfant avant 3 mois, pratiquement. Voilà la raison pour laquelle, lorsque j'arriverai au ciel, je poserai beaucoup de questions à Dieu. Un tas de questions comme quoi? Comme pendant que les femmes traversent des situations, chaque jour, je veux dire, des choses explicables dans le but d'avoir leurs propres enfants. Pendant que les hommes, les adolescents et certaines femmes s'en foutent et ils les prennent comme des odieux et les jettent. Je ne comprends pas. Bien.
permets-moi d'assister Dieu en répondant à cette question avant que tu n'ailles au ciel. Tu vois, nous vivons dans un monde d'inégalité. Tu vois, et quand tu regardes tout autour, tu te rends compte que ces gens, en fait, je veux dire, ces couples qui ont généralement des problèmes d'enfantement, ce sont effectivement ces gens qui ont beaucoup d'argent. Ce sont des gens vraiment riches. Mais quand tu considères le cas des autres qui ont en fait pondu des enfants comme des poules, ils sont toujours pauvres. T'es-tu rendu compte de ça? Où est-ce que tu veux en venir? Où je veux t'amener, c'est quoi? Ce n'est pas possible pour toi d'être grande et courte en même temps. Et moi, je ne peux pas être riche et pauvre en même temps. Tu vois un peu? Tu as raison. Oui. Regarde par exemple mon amie Ella. Je veux dire, elle pleurait. Elle se lamentait qu'elle n'a pas l'argent pour élever un enfant. Regarde ça. Bien, mais je pense que c'est un peu simple. Qu'elle vende donc l'enfant quand elle l'accouchera à celle qui n'en a pas? Vendre? Oui. Un docteur? Oui, bien sûr, tu as ce pouvoir-là. Alors pourquoi faire un enfant dans ce monde alors que tu sais que financièrement, tu es pratiquement handicapé? Tu es incroyable. Ouais, je suis incroyable. Mais j'ai trouvé une solution pour ça. Je peux pas croire que c'est toi qui le dis. Tu vas très bien, ok? Tu vas très bien, il n'y a rien à s'inquiéter. Prends juste soin de toi, repose-toi, ne réfléchis pas trop et puis dors beaucoup, ok? Tout ira bien. Bonne journée. Oui. Oui, madame, tout va bien. Ok. Monsieur. Oui, André. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bien, merci. Nous voulons voir le médecin en chef. Avez-vous une carte de cet hôpital? Non. Et votre carte coûte combien? 5 000 pour la famille et 1 300 pour personne seule. Oh, ma fille, c'est trop. N'y a-t-il pas moyen de baisser un peu le prix? Désolée, madame, mais c'est la règle ici. Tenez. Ménard, c'est pour vous. Hein? Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bien. S'il vous plaît, le nom. C'est monsieur et madame Dagogo Oda Douglas. Ok, madame. C'est ça. Tenez. Ok. Ok, je vais informer le docteur que vous êtes là. D'accord. Alors, comment va le travail? Bien, monsieur. Soyez les bienvenus. Merci, docteur. Je suis docteur Roman. Merci, docteur. Mon nom, c'est Chief Dagogo Oda Douglas. Et elle, c'est ma femme, Nina. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Merci. Vous voyez, docteur, quelques amis de la famille nous ont indiqué chez vous. Ma femme et moi sommes mariés depuis 18 ans maintenant. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore d'enfants. Oh bien, avez-vous fait un test quelconque pour savoir où se trouve le problème? Oui. Les tests disent que j'ai une auto-insuffisance de spermatozoïdes. Bien, cela peut se reconstruire avec du temps.
d'Ardère jusqu'à Cannes. Jusqu'à Cannes. Ma femme ne fait que prendre de l'âge. Alors dites-moi, que puis-je faire pour vous? Pour le moment, docteur, je n'ai plus qu'une seule option. Si ce n'est faire une procédure d'adoption. Ça demande beaucoup d'argent, vous savez. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, docteur. Si nous avons notre enfant, il n'y a pas de problème, docteur. Bien. J'ai encore besoin que vous fassiez certains examens. Parce que ce n'est qu'au couple sans espoir que je recommande l'adoption. Docteur. Docteur, donc il y a encore espoir d'avoir un enfant? Seigneur, s'il vous plaît, dites-nous la vérité, docteur. Bien, laissons voir la suite. Et vous irez faire ces examens. Tenez ceci. Ah, vous allez m'apporter les résultats la semaine prochaine. Merci, docteur. Merci, docteur. Alors, Ella, et si les résultats de l'échographie montraient plusieurs fœtus, vendrais-tu certains aux couples riches qui n'ont pas d'enfants? Ah ah! Qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Comment ça vendre mes enfants? Est-ce que ma maman m'avait vendu? J'aime ça. Cela montre que tu as vraiment le cœur d'une maman. Tu vois, j'ai posé cette question délibérément, juste pour savoir si tu es une vraie femme. Ma chérie, je sais très bien que ce ne serait pas facile pour moi. Même si je n'ai rien à manger, ça sert à quoi de vendre mes enfants? Pourquoi faire? Je ne peux jamais faire un acte aussi abominable. C'est l'esprit. Tu sais quoi? Je te félicite. Dis, c'est un ou c'est plusieurs? C'est un, Ella. La première échographie a montré un. Dieu merci. Je suis si soulagée. Soulagée de savoir que mon cœur va être en paix. Ah, merci. C'est bon, ça va. Ah, s'il te plaît, laisse que je parte. J'ai quelque chose à faire à la maison. C'est d'accord. Prends soin de toi, ok? Oh, merci. Toi également. Mais à toi. Abani, comment ça s'est passé avec les résultats? C'est les triplés. Les triplés? C'est merveilleux. Waouh, ça c'est merveilleux. Ah, cela voudrait dire que nous allons faire ce que nous sommes dit. Tu avais tort. Hein? Et Ella ne veut pas vendre ses bébés. Quoi? Tu lui as dit qu'il fallait qu'elle vende son enfant? Bien sûr que non. Je lui ai juste parlé comme ça, juste pour la sonder. Elle ne veut pas vendre ses bébés. Ok. Tu sais quoi, tu vas commencer à faire? Commence même un jeûne, tu vois. Dire au couple d'acheter le bébé. Et juste parle-les. Fais faire ce qu'ils comprennent. Dis-leur quelque chose. Elle ne sait même pas qu'elle attend des triplés. Lucas, je ne pense pas que je sois prête à vendre les bébés d'autrui. Je ne ferai pas ce genre de choses. Maintenant, écoute-moi, Bani. Si tu ne vends pas ce bébé, toi et moi, nous serons obligés de mettre fin à cette relation. Est-ce que tu m'as compris? Yeah.
Oui. D'accord. Merci. Merci. Bye.
Abani, comment ça s'est passé avec les résultats? Les triplés? C'est merveilleux! Waouh, ça c'est merveilleux! Ah! Cela voudrait dire que... Que nous allons faire ce que nous sommes dit. Hein? Quoi? Tu lui as dit qu'il fallait qu'elle vende son enfant? Maintenant, ok. Tu sais quoi, tu vois comment ça fait? Commence même un jeune, tu vois. Dire au couple d'acheter le bébé. Et juste parle-les, fais faire ce qu'ils comprennent, dis-leur quelque chose. Maintenant, écoute-moi, Bani. Si tu ne vends pas ce bébé, toi et moi nous serons obligés de mettre fin à cette relation. Est-ce que tu m'as compris? Docteur. Tu sais pas croire quand tu rentres quelque part? Fort comme ça. Idiote. Entends-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Il fallait voir comment le docteur Lucas m'a chassé de son bureau. Pourquoi tu n'as pas toqué avant d'entrer? Je l'ai fait. Je pense que les bosses sont en réunion top secret. Top secret? Salut les filles. Bienvenue ici. Bienvenue ici. Tu voudrais voir le docteur Mané? Oui. Elle est là, vous pouvez entrer. Non, pas ici, dans l'autre bureau, le bureau du docteur Lucas. Ok. Oui, au bureau du docteur Lucas. Est-ce que tu as vu ça? Hein? Alors, ils sont là en train de faire quoi à côté? C'est quoi le quoi à côté encore? Ne me dis pas que tu ne quoi à côté. J'ai attrapé le docteur Lucas en train de parler d'une relation amoureuse avec le docteur Winifice. Tu es sérieuse? Oui. C'est grave. C'est sérieux. Allez chez monsieur le docteur Agogo. Je pense que rien n'est perdu. Vous voyez, docteur, je ne comprends pas ce que c'est que cette auto-insuffisance des spermatozoïdes. C'est une maladie. Une infection sexuellement transmissible peut le causer. Et même le tétanos peut causer une insuffisance de spermatozoïdes. Et parmi tous ces autres, il y a la prise d'alcool en excès qui pourrait toutefois être aussi la cause de cela. Docteur, docteur, s'il vous plaît, docteur, aidez-nous. S'il vous plaît, docteur, nous voulons un enfant, s'il vous plaît, docteur Klim. Pourquoi n'essayez-vous pas une autre méthode? Méthode? Oui. Quelle méthode? Docteur, dites-leur. Bien, notre hôpital peut vous vendre un bébé. Je ne comprends pas. Oh, oublions la décision.
de la méthode d'adoption. Votre femme que voici va juste faire semblant d'être enceinte pendant que notre femme le sera vraiment, gonflant son ventre avec du ballon jusqu'à 9 mois. Jusqu'à ce que la vraie femme enceinte accouchera. Ça, c'est immoral. Je ne peux pas être partisan de ceci. Chérie, mais comment tu peux parler ainsi? Hein? Ça, c'est même le meilleur moyen pour enlever cette honte sur nous. S'il te plaît, docteur, nous sommes intéressés. J'aime votre esprit, madame. C'est vraiment bien. Bien, maintenant que vous êtes intéressé, nous allons vous demander de déposer un certain montant et après, nous allons commencer avec les procédures pour le bébé. S'il vous plaît, docteur, c'est pas si facile. Nous devons rentrer à la maison et réfléchir ensemble. Nous revenons aussi la semaine prochaine. Ok? D'accord. Docteur! Mon docteur! Ok, comment tu vas? Tu allais mieux aujourd'hui? Je ne me laisse pas quand même aller. Je sais. Alors comment va ton mari? Te dérange encore? Il n'y a que sa nouvelle nature. Est-ce que tu sais que ces temps-ci, il rentre tard dans la nuit avec des odeurs sur lui? Bien, bientôt ça ne sera que du passé, quand tu vas lui déposer un gros garçon. Vraiment? Peut-être que l'autre la sera dans mon autre vie. Ne crois-tu pas au miracle? C'est possible qu'après les 6 prochains mois, tu aies ton propre enfant? Je n'arrive pas à croire. Hey, docteur! Ah, laisse tomber ça, commandant. Gérard! S'il te laisse d'abord la boisson là. Tu te rends compte de ce que tu viens de me dire? C'est plus important pour moi. Je ne veux pas savoir ce que ça va me coûter. Je veux juste avoir mon propre enfant. J'aime ça. Ça, c'est l'esprit. Bien, j'ai un plan, ok? J'ai un plan que... Il y a une femme qui va devoir accoucher pour toi. Hey, docteur! Chérie, oui, mon amour. Tu n'as pas fini. Essayez de voir ce qui ne va pas avec ce générateur. Tu m'as dit que tu avais quelque chose d'important à causer avec moi. Oui, mais ce sera après que j'ai fini ici. Donc, laisse-moi d'abord finir et je te rejoins à la maison, on en parlera, d'accord? Ok, mais tu sais, ne mets pas long. Mais, ma chérie, excuse-moi. Il y a quelque chose qui me dérange. J'étais en train de penser à la suggestion de cet docteur. Qu'en penses-tu? Écoute, chérie, je pense que tu devrais vraiment accepter sa proposition. Hein? Tu sais, c'est même mieux que l'adoption. Du moins, tout le monde va croire que nous avons finalement accouché. Je suis fatiguée d'être le sujet de moquerie des gens. Je suis fatiguée. J'ai peur que les gens découvrent que tu n'es pas en train de porter un bébé. Ah, dis-moi, qui va leur dire? Hein? Qui va leur dire? Et si tout marche bien selon leur plan? D'ici les 6 prochains mois, j'aurai déjà accouché. Et toutes ces choses ne seront que les choses du passé. Bien. Si cela pourra te rendre heureuse, alors faisons-le. Tu sais que je t'aime. Merci, chérie. Faisons-le, je t'aime. Oh, je suis contente que tu aies accepté. Ok, je te rejoins à la maison. Ok. Dès que j'ai fini ceci, je te rejoins, d'accord? Bien sûr. Bye, tout à l'heure. T'inquiète pas.
Ces résultats disent que tu es féconde. Oui, chérie. Mais ce n'était pas le contraire il y a de cela 3 mois. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Je suis surprise. C'est ma première fois de comprendre qu'une femme peut continuer à avoir les menstruations durant la grossesse. C'est pas vrai. La science dit que tu n'es pas féconde. Oublie la science, on ne sait jamais. Moi-même, je n'arrivais pas à l'admettre jusqu'à ce que beaucoup de femmes me l'ont confirmé. Ça, c'est merveilleux. Tu sais quoi? On doit arroser. On doit arroser. Voilà. Viens ici. Reviens ici. Je te demande de revenir laisse-moi ici. Laisse-moi tranquille. Reviens ici. Laisse-moi tranquille. Reviens ici. Qui t'a dit que les femmes doivent pas coucher avec leur mari lorsqu'elles sont enceintes? Je ne veux pas, laisse-moi tranquille. Le docteur a dit que je ne dois plus faire. Donc, je dois rester comme ça jusqu'à... Je sais pas. Tu ne peux pas t'abstenir. Tu ne peux pas t'abstenir jusqu'à ce que j'accouche. Fais-moi mon accoucher. Tu deviens folle. Tu deviens folle. Passe ici. Allez, reviens ici. Reviens, laisse-moi. Tu es parti, hein? Sans problème. Je t'attends ici. C'est quoi? Je t'attends, papa. Oui? D'accord. Y a un problème? Dans ce cas, tu restes ici, je m'en vais à l'hôpital directement, ok? Allez! Bonjour, docteur. Où est Gina? Elle s'est déplacée. Le matériel est prêt? Oui. S'il vous plaît, madame, est-ce que je peux vous rejoindre en salle? Non, merci. Salut. Je viens juste d'entendre la question. Ce n'était rien d'autre. Elle t'a cherché. Ça veut dire que probablement elle a besoin de moi. Je vais la voir et la rejoindre en salle. Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai demandé si je la rejoins en salle et elle a répondu non. Qu'est-ce qu'elle cache? Comme quoi? Pourquoi est-ce qu'elle ne veut qu'aucune de nous ne la rejoigne en salle? Bien. Peut-être c'est un cas spécial. Cas spécial, tu dis? Et même si c'est un cas spécial, elle ne doit pas se comporter comme ça. Elle doit nous permettre d'aller en salle avec elle. Que nous, on ne doit pas l'assister pour ça? Non. Je ne pense pas. Je pense que ces deux-là sont en train de faire quelque chose de bizarre. Mais ne t'inquiète pas. Moi, Dina, je saurai ce qui se passe dans ce bureau aujourd'hui avant de partir. Infirmière Dina, fais juste attention. Quelque chose peut arriver dans cet hôpital. C'est un mensonge. Fais juste attention, mets dans tes enquêtes. Bonsoir ma fille. Bonsoir madame. Comment tu vas? Je vais bien. S'il te plaît, j'aimerais voir le docteur. Quelle est la raison de votre visite madame? Mon bébé a la fièvre. Ok, juste une minute. S'il vous plaît, madame, prenez ça et allez à la salle d'attente. Quand elle sera de retour, je viendrai vous appeler. J'ai besoin de voir le docteur maintenant. Madame, je ne peux vraiment pas faire autrement. Mais vous devez comprendre, le docteur est actuellement occupé et je ne peux pas le déranger. Infirmière, merci beaucoup, merci, je vais gérer ça. Madame, ça va? On peut aller de beau? D'accord, ok. Merci infirmière, merci.
infirmière Dina. Le docteur veut te voir maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. J'espère que c'est pour travailler. De toutes les façons, il faut d'abord aller voir. Bonjour infirmière, s'il vous plaît, je voudrais voir le docteur Mabani. Bonjour madame. Elle est occupée actuellement. Oui, bien sûr. Je voudrais discuter avec elle. Ok, je l'informe à son retour. Non, ne vous inquiétez pas, je vais attendre. Je voudrais discuter quelque chose d'important avec elle. Ok, vous pouvez vous asseoir et l'attendre. Oh, infirmière, où puis-je me mettre à l'aise? Allez tout droit. La deuxième porte au couloir. Ok, merci. Oh, ma fille. Oui. Bye bye. Prends soin de toi. Bonne journée, madame. Bye. Infirmière, tu oui? Pourquoi est-ce que tu regardes cette femme bizarrement? Il y a quelque chose en cette femme que je n'aime pas. Et qu'est-ce qui te permet de dire cela? Tu n'as pas vu comment elle a honte quand elle tient cet enfant? Est-ce qu'on doit avoir honte de nourrir son enfant en public? Infirmière Dina, tu t'inquiètes un peu trop. C'est son bébé et elle est libre de faire comme bon lui semble avec. Je suspecte que ça ne doit pas être son enfant. Qu'est-ce que c'est censé signifier? Je te dis, je suspecte que ce n'est pas son enfant. Et le docteur en sait quelque chose. Ah bon, c'est vrai ça? Mm-hmm. Mais qu'est-ce que tu racontes comme ça, Dina? Laisse-moi aller remettre ces documents avant que tu me mettes dans le pas. Je te dis, fais attention. Tu ferais mieux d'éviter de te mettre dans les problèmes, Dina. Oui. Oh oui. Je suis aux toilettes derrière l'accueil. J'étais au marché quand tu as appelé. Bien sûr. Et j'ai immédiatement stimulé les contractions. J'ai pris un taxi. Oui, il n'est pas à la maison, mais je l'ai appelé. Je lui ai dit que j'allais à l'hôpital. Oui. Infirmière Dina, as-tu vu la femme qui est en salle d'attente? Qu'est-ce qu'il y a encore? Le truc, c'est la femme qui était complètement couverte, dont on voyait seulement le visage. Elle est vraiment enceinte. Vraiment, vraiment enceinte. Et le problème maintenant, c'est que... Elle est où? Est-ce que tu l'as vue? Explique-moi, et quel est le problème maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit qu'elle voulait voir le docteur Albani. Et quand je lui ai dit qu'elle était occupée, elle a décidé d'aller aux toilettes. La seule femme qui est partie d'ici sans vraiment fermer la porte, c'est la jeune femme avec le bébé, à qui j'ai demandé d'aller voir le docteur Albani. Non. Je n'ai pas autorisé une autre femme. En dehors d'eux, la jeune femme avec le bébé est de celle dont nous sommes en train de parler. Comme ça, nous avons la femme qui est entrée avec le bébé. Qui est passée ici? Es-tu sûre que ce n'est pas la même femme qui a demandé à aller aux toilettes? Elle a dit qu'elle portait juste le bébé, n'est-ce pas? Mais la femme qui était totalement couverte, qui se trouve aux toilettes, est enceinte. Ok, allons la chercher. As-tu vu quelque chose? Je te dis qu'il y a quelque chose de bizarre ici. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous n'avons aucune opportunité d'aller à l'intérieur. Ils vont nous refouler. Le docteur Lucas est prêt à vendre cet enfant. Si la mère n'est pas prête à s'en occuper. Ça veut dire qu'il a vendu à cette femme ce bébé. Je t'ai dit que cette femme qui est partie d'ici avec ce bébé, elle a quelque chose que je n'aime pas.
Et cette femme, cette jeune femme, c'est la même femme qui est aux toilettes. Mais je t'ai entendu dire que la mère est en Guansal pour accoucher de ton bébé. Bien sûr. Peut-être ce n'est pas seulement le seul enfant. Qui sait? Peut-être lui a proposé les trois enfants. Hey! Oh! Ça, c'est une sérieuse injustice. Hey. Un homme qui vend les enfants d'une femme. Comment est-ce qu'il peut faire ce genre de choses? Vendre les enfants d'une femme? Je ne suis même pas sûre que cette femme sait qu'elle a fait des triplés. Bien sûr, elle ne le sait pas. Si on revient à ce que le docteur Lucas dit, il sait que c'est une partie du deal. Mais ne t'inquiète pas, je vais prier. Je vais prier. Lever mes mains vers le ciel pour que ça échoue. On verra bien plus tard. Infirmière Dina, s'il te plaît, sois prudente. Si ces gens peuvent faire des choses comme ça, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Hey! Alors, comment tu te sens maintenant? Ma soeur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Je remercie Dieu parce que je récupère maintenant. Et j'avais dit à Dieu que si j'accouche dans les bonnes conditions, je vais organiser une très grande fête d'action de grâce. Ma soeur, tu as raison. Tu sais, les femmes endurent beaucoup durant l'accouchement. Ah, tu me dis, si tu voyais ce que mes yeux ont vu dans la salle d'accouchement, Dieu, je ne sais pas pourquoi le docteur avait besoin d'enfoncer sa main dans mon utérus juste pour enlever le sang. Dans mon utérus? Hey! Ma copine, tu sais quoi? Laisse que je t'accompagne avant que mon bébé ne commence à pleurer. Bien sûr. Allons-y. Et qu'est-ce qui te fait peur? Je croyais que c'était le docteur Lucas ou le docteur Albany. Ça, c'est une raison pour laquelle tu dois vraiment, vraiment faire attention. Ne fais pas en sorte que ces gens viennent te trouver là. Sinon, sois sûr que tu auras plein d'explications à leur donner. C'est pourquoi tu dois m'aider. Si tu vois leur voiture, s'il te plaît, viens me dire. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi ne peux-tu pas abandonner ces investigations et les laisser faire ce qu'ils veulent? N'importe quoi, ils doivent être punis. Attends voir. Qu'est-ce que c'est? Jésus. Est-ce que ce n'est pas la pire que cette femme? Cette femme portait. Attends. Mais c'est bien cette robe. Maintenant tu crois ce que je t'ai dit. Quand je t'ai dit que cette femme qui a quitté l'hôpital avec le bébé, c'est la même femme qui entre aux toilettes et a porté cette robe. Alors, cela veut dire que sa grossesse était fausse. Exactement. Mais ne t'inquiète pas. Je vais mener les enquêtes et chercher des preuves par rapport à cette femme. Si je trouve quelque chose, je vais prier jusqu'à être fatiguée et tout va chambouler. C'est sérieux. J'ai encore été très menacée par ce mal de deux hier soir. Hein? Je reviens te voir tout à l'heure. Mais Guéry, où es-tu? Oui, chérie, je suis ici. Mais pourquoi tu me laisses pleurer l'enfant comme ça depuis? Mais je suis occupée à préparer sa nourriture. Mais la nourriture de quoi? La nourriture du bébé. Mais l'enfant d'une semaine, et tu prépares déjà la nourriture pour lui? Je ne comprends pas ce qui se passe dans ta tête, je ne comprends pas. Tu ne peux pas l'allaiter toi-même. Tu peux dire ce que tu veux, mais je ne l'allaite pas avec mon sein. Donne-moi une raison, pourquoi tu ne veux pas l'allaiter? Juste parce que tu ne veux pas que ta sang dorme. Je n'ai aucune autre raison, mais je ne le nourris pas au sein. Passe là-bas, tu vas l'allaiter. Passe. Laisse-moi. Passe, allez, va l'allaiter. C'est même quoi? C'est une histoire de quoi? Va là-bas.
Gina. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu as eu les clés de mon bureau? Ça veut dire que tu as forcé ma porte? Maintenant, écoute-moi une deuxième fois avant que je te fasse du mal. Dis-moi ce que tu fais dans ce bureau. Je ne voulais pas. Je cherchais les médicaments. Tu cherchais les médicaments? C'est pour ça que tu avais besoin d'entrer dans mon bureau sans ma permission. Est-ce que je viens d'entendre que tu cherchais des médicaments? Qui t'a dit que c'est dans ce bureau qu'on gardait les médicaments? Non, docteur. Tu es malade, bien. Tu t'es arrêté la vérité pour une fois. Hein? Vraiment? Hein? Vraiment? Hein? C'est ça, hein? Tu ne connais aucun homme, hein? Ok. Regarde, tes réponses montrent que tu es coupable. Regarde, tu es sous ma surveillance depuis un bon bout de temps. Moi, je te regarde et toi, tu ne le savais pas. Alors donc, tu as décidé d'être l'espion dans cet hôpital et malgré tout, on a essayé de te nommer chef de ton groupe. Hein? Tu sais quoi? Vois le docteur. Tina. Voilà. C'est bon, ça va, docteur. Le gars, tu vas mourir. Laisse-la tranquille, le gars. Ça va. Lucas, qu'est-ce que tu veux me faire? Tu vas mourir. Arrête. Tu vas mourir. Je t'attends. Tu vas te taire. Tu meurs. Quoi? Ça te prendra. Lucas, qu'as-tu fait? Oh. Lucas, tu l'as tué. Tu l'as tué. Merde, tu veux que tout le monde ici soit au courant de ceci? Lucas, tu as tué mon infirmière. Veux-tu te taire? Veux-tu tais-toi? Regarde, c'est mieux qu'elle meure cette fois au lieu de nous vendre. Tu vois pas ça? Tu es un démon. Tu es un démon. Un démon, Lucas. Tu as tué mon infirmière. Mais putain, tais-toi! Regarde. Calme-toi. Laisse-moi, je te dis quelque chose, ok? Tu es un démon. Dina, tu ne photocopies pas aujourd'hui? Dina, c'est un peu que j'ai de ce mail comme ça. Dina. 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 Qui est-il? Infirmière, qu'est-ce qui ne va pas? C'est Dina, je ne sais pas. Dina, que s'est-il passé? Elle a déjà fait ça avant? Non. Oh merde. Ah. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous étions invités à une sérieuse réunion avec le ministre de la Santé avant que tu nous appelles. Et c'était vraiment important. Mais que s'est-il vraiment passé? Je ne sais pas, je l'ai juste trouvé là comme ça. Je pense qu'elle a eu un arrêt cardiaque. Oh mon Dieu. Un arrêt cardiaque. Attends, qu'est-ce que tu veux faire? Informer sa famille, bien sûr. Quoi d'autre? Je dois les informer. Aidez-le un peu là. Ne reste pas. Obi. Non! Non, Bina, non! Hey, non! Non! Ah! Oh! Non! Lève-toi, ma chérie! Lève-toi, mon bébé! Mon bébé, ne fais pas ça! Ne me fais pas ça, mon bébé! Ils sont venus trop tard.
Seigneur Jésus. Mon bébé.